message. Merci, chers tous. Merci, ceux qui accompagnent ce que je fais. Merci, ceux qui sont convaincus aussi et qui partagent ce que je fais. Je voudrais vous dire merci. Comme je l'ai toujours dit, mes vidéos, je ne force personne à partager. Si vous écoutez et que vous êtes convaincu du message qui est véhiculé, vous êtes libre de partager ou de ne pas partager parce que on ne partage pas ce qu'on on ne partage pas. C'est-à-dire que à partir du moment où vous décidez de faire entendre le message à certaines personnes, ça veut dire que vous êtes convaincu de ce que vous avez entendu. C'est ça aussi la différence avec les autres, parce que moi je ne mes vues ne sont pas payées. Il y a des gens qui viennent mentir souvent que oui, il est payé par les vues, donc si nous on ne partage pas, il ne va pas manger. Non, moi ma page n'a jamais été une page où on paye, donc que ça. Je suis content si les gens partagent et que d'autres personnes entendent ce message-là, mais pour moi ce n'est pas la priorité. Donc ce soir je voudrais qu'on parle en deux minutes. Ce qui s'est passé sur BF1, parce que moi, j'avais la semaine passée parlé de d'acier. J'avais dit que d'acier faisait du bruit. Bah, les gens n'ont pas compris. J'avais dit ça, j'ai dit ça plusieurs fois, parce que c'est vrai que aujourd'hui, le Burkina, on est dans des difficultés. Il faut écouter les uns et les autres. Mais souvent, il y a des gens qui vous avaient toujours dit ça quand vous écoutez leur message. Ils disent que le colon a, je dirais, le colon, en tout cas, n'a pas été tout simplement honnête avec nos parents. Mais ce sont les mêmes livres des colons qu'on utilise pour nous expliquer. C'est ça, je n'aime pas. J'ai toujours dit ça parce que quand on nous parle de 1800, qui a écrit ces romans, qui a émis ces messages-là depuis les 1800? Moi, c'est sur ce point. Et encore plus loin, le cas du Burkina ne nécessite pas qu'on reparte en 1800. Nous avons des difficultés et ça a commencé en 2015. Même si les sources ne sont pas... en tout cas, on peut rechercher les sources un peu plus en arrière. Mais il ne faut pas nous envoyer en 1800 parce que Sankara a été ici à partir de 1987 où il a posé des actes concrets. Donc, on n'a pas besoin de repartir dans les 1800 pour embobiner les gens, parce que souvent les gens vous envoient sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. Et quand on leur donne la parole, quand vous voyez, il n'y a pas tout simplement ce fair play là, surtout comme au niveau de Dacier, quand vous lui donnez, souvent quand vous lui donnez la parole, même le modérateur a des difficultés pour pouvoir recadrer l'émission, parce que l'émission est suivie partout, et il y a le CSC qui est là, les gens sont là avec des on vous insulte partout, on vous menace. Donc il faut recadrer l'émission. L'émission, on ne peut pas laisser l'émission à qui, à toute personne, où il faut raconter comme si vous étiez en train de faire un exposé devant votre page Facebook. Voilà. Si vous trouvez que vous avez des choses que vous voulez dire et que les gens ne vous permettent pas de le dire sur les plateaux, créez une page Facebook, sortez et vous appelez les gens. Voici les Yamsi qui sont là en train de bavarder. Personne ne leur dit un mot. Mais quand vous allez sur le plateau de quelqu'un qui est soumis à des restrictions, qui a tout simplement, voilà, et un compte à rendre à son employeur et aussi au CSC, il ne peut pas vous laisser dire des choses sur son plateau et après, il aura des comptes à rendre. Combien de personnes sont arrêtées aujourd'hui parce qu'ils ont donné leur point de vue sur les médias? Alain qui a été, qu'est-ce qu'il a fait? Lukman Sawadogo. Ce sont des choses que les gens ont dit sur leur plateau et puis après ils sont poursuivis. Et encore vos moutons qui suivent là. Ils partent, ils n'écoutent même plus le message, ils vont insulter les gens à tort et à travers. Donc, on ne peut pas vous laisser dire des choses sur des plateaux. Et ce qu'il a dit est grave. Moi, j'ai dit ça plusieurs fois ici. Dacier est un problème pour la cohésion sociale. Parce que quand vous attaquez au Moro Naba, quand vous dites des choses dans le passé, c'est-à-dire l'histoire a fait ci, l'histoire a fait ça. Mais c'est des faux trucs. C'est des faux trucs. Et encore même parlant du Moro Naba, le Moro Naba ne s'est jamais impliqué dans les affaires politiques. À chaque fois, quand on va vers lui, il est toujours resté sur sa position. Combien de guides religieux et de choses, comment dirais-je, de guides religieux sont sortis ici hasardeusement dire des choses que les gens ont déplorées. Mais le Moro Naba n'a jamais donné, il n'a jamais parlé de votre affaire de politique. Il est sur place. Combien de personnes vont le rendre visite? C'est parce que il est resté sur sa position. Sinon, combien de pouvoirs se sont succédés au Burkina? S'il s'était peut-être donné à un parti, aujourd'hui, il ne serait pas là et que les gens partent à tout moment. C'est pourquoi j'ai dit au Moro Naba
il n'a qu'à bien mettre une serrure à sa porte. Parce que quand ça va, c'est à lui qu'on insulte, c'est lui qu'on manque de respect. Et quand ça chauffe, même les guides religieux que vous voyez ici et que les gens disent que c'est eux qui sont crédibles, c'est eux qui ont le verbe là. Quand ça chauffe, on court pour aller sur le Moro Naba. Il y a eu combien de coups d'État ici? Et les gens se sont refusés sur le Moro Naba. Et j'ai dit, si ça va, on insulte le Moro Naba. C'est quand ça ne va pas qu'on se réfère à lui. Et là, il doit tout simplement prendre des mesures. Il ne faut plus accepter les gens Moro Naba. Si les gens, aujourd'hui ça va bien, si ça chauffe, n'ouvrez pas votre porte à ces gens-là. Parce que quand ça ne va pas, c'est à vous qu'on vient appeler pour venir décanter les situations. On sait que c'est vous qui êtes important quand ça ne va pas. Mais quand tout va bien, c'est vous qu'on insulte. Mais ceux qui insultent le Moro Naba, est-ce que les autorités ont pris des mesures pour en tout cas entendre ceux qui ont insulté le Moro Naba? Mais ils sont là, personne ne dit un mot. Pourtant, ces gens-là parlent en leur nom. Ces gens disent qu'ils sont leur soutien. Et Dacier a mentionné quelque chose qui est très grave. Quand il parle tout simplement de la déstabilisation des pouvoirs, il cite le Moro Naba là. Bon, ça veut dire que l'audio qui circule, Dacier doit savoir qui a fait l'audio. Parce que selon ses propos, il y a quelque chose. Quand vous dites ces genres de choses-là, vous appelez les gens à s'attaquer au Moro Naba. Donc ça va en étroite ligne avec ce qui est les audios qui sont sortis. Donc Dacier, on doit l'écouter. Parce que si lui, il a le courage de dire que le Moro Naba a un problème dans ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Et encore, ce sont ces mêmes propos-là que les gens ont tenus à l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Ils ont dit que c'est le Moro Naba qui ne veut pas qu'Ibrahim Traoré soit président. Ce n'est pas ce que vous avez mis comme plan pour que Ibrahim Traoré soit accepté. C'est votre plan qui est en train de vous bouffer. Donc, moi, je ne vais pas rester là. Je vais avancer juste pour parler de... Voilà. Vous regardez les religieux aussi au Burkina. Il faut que les gens fassent attention. Moi, je regarde les vidéos des super soutiens d'Ibrahim Traoré, ceux qui dorment à la place de la nation. Souvent, j'ai honte. Moi, j'ai honte pour quelque chose. Il faut que les religieux au Burkina, les guides religieux, c'est-à-dire les responsables des musulmans, il faut qu'ils recadrent ceux qui font les vidéos et qui prennent la religion, les versets de la religion pour maudire les gens. Il faut que les gens recadrent ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Hier, je suivais un live de la place de la nation là. Ceux qui sont là-bas. Et quand ils sortent pour tenir des propos, c'est juste pour demander à leur Dieu là de maudire la France, de maudire les États-Unis, ou na sam français, ou na sam Amérique, ou na sam président Kanga. Ce sont des paroles, tout ce qu'ils disent là. Ils demandent à leur Dieu de maudire des gens. Moi, c'est ce que le problème qui me pose à ce niveau-là. Il faut que les religieux, c'est-à-dire les musulmans, parce que la religion musulmane, ce n'est pas une religion de violence. Ce sont les inconscients que vous voyez qui maudissent les gens. C'est eux qui rendent plus difficile la tâche de la religion. C'est eux qui font que les gens ont des difficultés à accepter certaines religions. Parce que on ne peut pas comprendre que des religions ne prônent que quand il y a quelque chose, on ne prie pas le Dieu, on n'invoque pas le Dieu pour que ce Dieu-là, qui connaît le cœur, puisse toucher les uns et les autres pour qu'il se rallie à vous ou que, en tout cas, vous puissiez vous entendre. Tout ce que les gens sortent comme des propos, quand ils sortent et qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, c'est que Dieu fasse ça, que Dieu fasse ça, que Dieu fasse ça. Ce n'est pas de la religion, ça. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un avec vous. C'est pourquoi certaines religions sont des religions de violence, où les gens sont obligés de forcer certaines personnes à suivre leur religion. Puisque vous-même, vous ne prenez pas la paix. C'est-à-dire que pour que quelqu'un vienne sur vous, c'est votre manière de vivre, de faire qui amène les gens vers cette religion. Puisque votre comportement participe aussi à attirer des âmes vers votre religion. Mais si tout ce qui sort de votre bouche, c'est que Dieu fasse tant à un tel, Dieu fasse tant. Vous maudissez les États-Unis, vous maudissez la France. Pourtant, vous prenez leur argent sur vous pour vous développer. Pourtant, c'est eux qui vous soutiennent dans votre difficulté. Comment Dieu va vous écouter? Ce qui fait que vous souffrez, ce qui fait qu'on ne s'en sort pas, c'est parce qu'on croit que Dieu est son parent. Il y a ceux qui parlent à la place de la nation, ils pensent que Dieu vient de leur cour. Hein. Il y a des gens même qui pensent que Dieu dort avec eux à la maison. Quand ils ouvrent la bouche là, « Oui, nous sommes Américains, oui, nous sommes Français, oui, nous sommes Président Kanga, oui, nous sommes Président Kanga, oui, nous sommes Président Kanga,
Oui, non, il te faut zakon là. Oui, non, il faut zakon net là. Il y a faut bourner là. Faut mieux là. Donc, oui, non, il y a un là. Il y a un yit faut non, on va là, oui, non, il y a un yit faut non, on va te quel là. Mais quoi, ta son, faut bourner, ne va les voir. Yam be wodo be ne wa 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 yam vila haram kasi be tirib kala kasilma yim be be ne kid ko mala wenna min yam kwata ta karne ba ta yoni be buguma wenna am kan kabela boli ata tin ko yam ne ba riba yam vila haram zote en kasi be zin waya boli yam wenna ma ta to song ne ba wa yam mi yiti kan do song kabe dini an ko tnepti kota ko e nodo tin ba sakri yam la pore yam Nyam kaba ton mana ne rebo. Nyam twen gol win na mata sam ne da ya. Ni kan saba metwen gol la win na ni ya gwanda wo. Ana ye le yam tia nyam be so song zu ti yam ten mbol win na mata sam ne da. Ti ne da to ten bol win na mata ka kela. Est ce que vous ten kaba ne da? Ta saba yo lo song fo. Nyam ne miliar ko bi sini zak za mo ya. Ya yam nyam ya digire. Yare la yam kaab sa fi kasong en kasong ni yam la sam ni yam parce que fon kaab ne winga ta sama pa man bon kan on kon fo la tar pou pe le ma tou no kaab ni yam kaab dan dit yam yare la yuma yo pou ton on ben pa yak la fi bala ton be me en ti hon wat ton sou no fa bi ton dik de ningen ne ba on ne peut pas maudire des gens qui vous êtes vous vous avez reçu 276 millions yeah 276 milliards ça vient d'où Ce sont des gens qui ont mis ensemble pour vous aider. C'est un prêt. Mais ces gens qui vous aident et que vous les maudissez, vous pensez que ça retombe sur qui? Ça retombe sur vous. Vous, vous maudissez les autres pays. Ça, je ne veux pas dire ça. Il y a un cadre, c'est un quoi de voir n'a pas. Tu vois, il y a un sambre, quoi de voir n'a pas. A mettre à l'autre, il y a un sambre, bébé. Il y a un ré, il y a un sambre, bébé. Tu y a un cadre. Il y a un petit dame, tu vois, il y a un cadre. Il y a un plat de la nation, bébé, il y a un cadre. Il y a un cadre. Il y a un cadre. Ti tenga tablam song ne yam neba ti yam kwot wennam ti wennam sam ni bamba yam ti ram wennam nan kel gayam la yam la nan sam kay ara o jwen sam da yam la yam zote en ka zigi ya hay ti yam ne da wa ti woni lawto on pato mar ba fui ya bour bala ya premier ministre yi ti ya ne ba toro yi ne hay ti mo hawa rabe ba kinga sa ne ni wen sa ne rabe ba kinga be ne ham pa yam pa zote wende la yam menga ya terroriste ramba Semen na teka nep kwa rane zak la inkiwa. Rabe ma teka ziti yam, ti yam neba kide. Rabe ma teka ziti yam neba zote. Neba wana. La zwe, rahma nora. Kengi nuna kirenga. Kengi kosi, ya neba wana. La inkiruna runa. Ti yam yetra be ma teka ziga. Nyam yolo wa nande nama. Ya nepis la yopo inki. Ti yam ware nama. Zame ya nepis la nunki. Rabite nepis la nun. Zame nepita. Zoe ya neba wana. Nepi nou ne zak la nki. Ti nyam yon wana re nama kyu ram. E ra kyu ni wan. Ti ya nepi sila yo kwen ki ti yam wore nama. La nepi sila yo kwen ki ti yam wore nama. Ti rahma yibu. Nepi nou ki. Ti yam yetra beba kenga beba neng. Nyam zeta wende. Prewe minira da be. Emisiklo wangom nan sou le sama. Mam te rund. Mam da ten dam tu rundo nuna. Ton me dia tu man sou le ripou pe ndamba ba di etin na gien da yela soya et nan kanya ye la ton me nga yipou pe ndam ne ton la ton ha yitim be ne ba tawri on gonda mbele ga ne ba tini mu yide kide he mpanyi hede ya sida ne pa yetin hede la yam panyi hede bo la yam na na son tenga ni mu yide kumwa bala mpaki mpanyi hede ton patari nyeso ne bi ton paratu man nyeso ye tini ba yodi kide kapak yam ni Là, Nisa Tengfa, mes jours de j'aime ça n'est pas. Moi, vraiment, j'ai été déçu. Donc, c'est pour vous dire au niveau des religions, il faut que les guides religieux musulmans recadrent les éléments. Parce que le message qu'ils véhiculent, ce n'est pas un message qui amène les Burkinabés à se souder. Parce qu'à chaque fois, quand c'est vous qu'on voit à la place de la nation, dire aux gens de faire à Fatia ou quoi pour maudire un chef d'État, ça pose problème. Et ça ne contribue pas à nous unir. Il faut que les gens revoient. Vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez qu'on ne parle pas de la religion. Mais à chaque fois, c'est eux qui sont devant à tenir des propos. Vous n'allez jamais voir
Un protestant venir s'arrêter à la place de la nation, demander aux gens de venir, on va prier pour que Dieu maudisse quelqu'un. Vous n'allez jamais voir un catholique venir s'asseoir à la place de la nation, dire aux gens de venir, on va prier pour que Dieu maudisse quelqu'un. C'est toujours vous. Il faut changer. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Mais c'est vous qui créez les problèmes aux gens. Il faut que les guides religieux, c'est-à-dire que les présidents des musulmans là, il faut qu'ils recadrent ceux qui sont arrêtés. Parce que moi je sais que ceux qui sont arrêtés là, ce ne sont pas des musulmans, ils connaissent même pas la religion musulmane. Ce sont des inconscients. Parce que moi je sais que la religion musulmane ne va jamais apprendre quelqu'un à maudire des gens parce qu'ils n'ont pas le même langage. À maudire des gens parce que, tout simplement, ils n'ont pas la même vision. On est dans quel pays? Vous connaissez Dieu que qui? Vous connaissez Dieu que qui? Tu vois des gens arrêter des pauvres types comme ça. Et matin, midi, soir, Dieu maudit un tel. Dieu fait ça. Dieu fait ça. Il y a vos acteurs là. Oui, Nama, il y a vos là. Hein? Oui, Nama, il y a des quelques rien. N'est-ce qu'elle est d'une vie? Donc, on va laisser ce sujet là. Parce que c'est révoltant souvent quand moi je vois l'heure direct là. Tous les jours, c'est pour. Déjà, même qui se permettent même d'aller dans des lieux de culte pour dire. Wina sans farce. Wina sans farce. Hein? Ça, c'est des paroles. C'est pas sens, quoi. Donc, maintenant, c'est pour revenir. Parce que le premier ministre, quand il était à l'hémicycle aujourd'hui, devant les députés, il a parlé de leur partenariat. Et dans ce partenariat, il a dit que des gens ont refusé de vendre des armes au Burkina. Il dit aussi qu'il y a des partenaires qui sont avec le Burkina, qui font des affaires. Et quand il a choisi de demander du matériel, ils ont refusé de donner le matériel au Burkina. Moi, souvent, je me dis, moi, je ne sais même pas. Souvent, mettre de Tambela, c'est même pas la peine. Mettre de Tambela est arrivé aux affaires par erreur. C'est ça aussi l'affaire des coups d'État. Il y a des gens qui ne pouvaient même pas être ministres, ne pouvaient même pas être maire d'une ville. Mais quand il y a coup d'État, bon, on nomme les gens au hasard. Sinon, mettre de Tambela, en réel, mettre de Tambela ne pouvait même pas être. Il ne pouvait même pas être premier ministre du Burkina. Jamais. À travers ce qu'il dit aujourd'hui, un rêve maître de Tambela ne pouvait pas être premier ministre au Burkina. C'est parce que le Burkina est tombé si bas. Sinon, maître de Tambela, en rêve, il ne pouvait même pas. Il ne pouvait même pas être, je ne sais pas, ambassadeur même. Maître de Tambela ne pouvait pas être ambassadeur. Parce qu'il n'est pas sérieux. Il n'est pas. Vraiment, ce n'est pas la peine. Bon, vous arrivez aux affaires. On va repartir au 30 septembre. Vous arrivez aux affaires. Le premier jour que Ibrahim Traoré, les militaires arrivent, mais ils ont convaincu le peuple en disant qu'ils vont changer de partenaire. C'est le premier, c'est-à-dire que c'est la déclaration première. Oui, on va changer de partenaire, on va diversifier les partenaires, on veut aller ailleurs. C'est ce que vous avez dit. Le premier jour, avant même que Ibrahim Traoré ne prenne définitivement le pouvoir, c'est ce qu'il a utilisé pour mobiliser les gens autour de lui. Quand vous avez pris le pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez commencé à dire, le premier jour même, ils ont dit que le président Damiba était logé à l'ambassade de France. Vous avez indexé la France déjà le premier jour. Les gens se sont levés, ils sont allés, ils ont brûlé l'ambassade de France. Ils ont brûlé l'agence française à Bobo. Est-ce que vous avez déploré ces actes? Vous n'avez pas déploré les actes. Vous n'avez pas posé des actes pour montrer que les actes qui se sont posés, vous n'êtes pas derrière ces actes. Vous n'avez jamais fait un problème à ça. Plus fort, vous avez interdit les manifestations. Et les gens ont organisé des manifestations au Burkina où ils sont allés. Au camp Sangoulé-Lamizana, où c'est où là, au camp là, où il y avait les militaires français. Les gens ont marché sur le camp. Est-ce que vous avez fait un problème? Ils sont allés encore à l'ambassade. Est-ce que vous avez fait un problème? Vous n'avez rien dit. Les gens ont pris acte. Puisque d'abord, vous avez commencé à dire que vous n'allez pas travailler avec eux. Vous avez déjà dit ça. Ça veut dire que les demandes que vous avez formulées envers la France et les autres qui étaient déjà là, ce n'étaient pas des demandes sincères. Puisque le premier jour, vous avez dit que vous n'allez plus travailler avec les gens. Donc, tout ce que vous les avez demandé, c'était des choses que vous savez qu'ils n'allaient pas accepter. Et ça sera le déclenchement de votre
signature de l'autre côté, c'est-à-dire le changement de partenaire, est venu suite aux demandes que vous avez formulées à la France et aux autres. Vous n'avez pas été sincère dans les demandes d'armes. Vous avez demandé pour demander pour que les gars puissent vous refuser pour vous ouvrir les autres portes. C'est ce que vous avez fait. Donc ne venez pas nous dire les gens vous ont refusé. C'est vous qui avez refusé les gens en premier. Puisque quand vous êtes arrivé, vous avez donné l'occasion aux gens de sasser la France physiquement. Mais comment vous dites aux gens le premier jour, on va quitter un tel et vous lui demandez du matériel? Il ne va pas vous donner le matériel. Vous êtes là où vous êtes allé. Souvent, il faut être sincère. Ici, on ne vous a pas donné. Mais c'est dans leur droit de ne pas vous donner. Si vous dites que vous n'allez pas rester avec eux, vous formulez des demandes et dans ces demandes, même on sent que c'est des épreuves que vous mettez les gens. Ah, on va leur demander. On sait qu'ils ne vont pas nous donner. Comment vous allez leur demander d'armer les VDP? Pourtant, la question du VDP a été déjà traitée. Quand on va pour demander des choses à quelqu'un, on discute et on cause normalement. Mais vous allez leur demander des choses que vous-même, vous savez qu'ils ne vont pas le faire parce que vous voulez les quitter. Mais c'est ce qui a été fait. Là où vous êtes allé, vous n'avez rien eu aussi. Aujourd'hui, j'étais surpris de le voir parler comme si les gens ne les aimaient pas. Mais c'est vous qui avez commencé à détester les gens. Les gens n'ont pas de problème avec vous. Le Burkina n'a pas commencé à exister à votre arrivée. Le Burkina existait bien avant. Les gens ont fait des affaires avec les autres. Même si ça tout n'a pas été parfait, il y a des choses à refaire. Mais vous êtes arrivé en héros, en connaisseur de tout. Et les gens vous ont laissé, ils ont dit, bon, on va vous regarder alors. Vous êtes allé en Russie. La Russie vous a donné quoi? Souvent, quand vous voulez faire le procès des gens, essayez de faire voir qu'est-ce que vous avez eu après votre départ. Vous êtes allé en Russie, vous n'avez rien eu. Vous êtes allé au Mali. Qu'est-ce que vous avez eu? Rien. Puisque vous dites après que vous n'avez pas de matériel, on a refusé de vous vendre le matériel. En même temps, vous dites que vous avez armé vous avez eu du matériel pour tous vos hommes. On vous comprend comment? Ça nous renvoie maintenant à l'idée que le matériel que vos prédécesseurs avaient payé, c'est ça que vous avez reçu pour armer les VDP. Mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi maintenant vous recriez. Puisqu'il y a du matériel qui avait été commandé par Roch Kabore et le président de Miba. Ce matériel est arrivé le jour du coup d'État et quelques jours après le coup d'État. Quand vous avez reçu ça, c'est ça que vous avez utilisé pour vous gonfler, croyant que c'est suffisant. Maintenant, ça n'a pas suffi. Puisque les guerriers vous ont frappé et puis prendre ce que vous avez pris là, vous avez cru que ça allait pouvoir vous aider à vous débarrasser du mal. Puisque c'est ça, vous avez dit que c'est un petit problème. Mais quand vous avez reçu le matériel, vous avez mal géré. Les guerriers ont repris tout le matériel. Maintenant, vous êtes reparti pour la nouvelle commande. C'est là maintenant que vous avez fait face. Vous avez été mis face à la réalité des choses. Et vous êtes revenu maintenant pour dire que les gens ne vous vendent pas. Ils ne vont pas vous vendre parce que vous avez posé des actes qui ne vous permettent pas de vous vendre le matériel. Donc ne venez pas sacrifier le peuple à travers des actes que vous-même vous avez posés et que le Burkina en souffre aujourd'hui. Quand on est en guerre, il y a des choses qu'on ne fait pas. On va tout doucement. Et pour continuer, regardez dans les remerciements. Le premier ministre, Maître de Tambela, a remercié le Venezuela, a remercié le Mali, a remercié la Russie et a oublié la Côte d'Ivoire. Ha. Souvent, moi je me pose des questions. Je me pose des questions. Au jour d'aujourd'hui, je voudrais demander au gouvernement burkinabé, à Maître de Tambela, le grand orateur, Maître de Tambela, dites-moi, vous êtes allé en Russie, vous êtes allé au Venezuela, vous êtes en partenariat avec le Mali, vous êtes en partenariat avec la Guinée. Dites-moi, de tous les pays que j'ai cités, quel est le pays qui a fait un don supérieur à la Côte d'Ivoire? Moi, je voudrais... C'est une question simple. Parce qu'il faut arrêter, je dirais, vos émotions. Les émotions, vos émotions que vous voulez tout simplement
introduit dans la vie de notre nation, là, il faudra mettre ça de côté. La Côte d'Ivoire vous a donné du matériel à une valeur de 2 milliards. Est-ce que le Mali vous a donné du matériel de cette envergure? Est-ce que la Guinée vous a fait ce don? Vous êtes allé au Venezuela. Qu'est-ce que vous avez ramené du Venezuela qui est supérieur à ce que vous avez reçu de la Côte d'Ivoire? Vous êtes allé en Russie. Qu'est-ce que vous avez reçu de la Russie qui est supérieur à ce que nous avons reçu de la Côte d'Ivoire? Vous avez parlé d'Erdogan en Turquie. Qu'est-ce que les Turcs vous ont donné de plus que ce que vous avez reçu de votre voisin direct? Allez plus loin. Ce même voisin de la Côte d'Ivoire, de Alassane Dramane Ouattara, est à un projet qui est en cours. Moi, c'est ça qui me touche. Un projet de construction de bâtiments pour vos gens qui sont allés de l'autre côté. Aujourd'hui, dans le discours, j'aurais voulu entendre que d'abord, vous n'avez pas pu être reconnaissant du matériel que vous avez reçu. Mais aujourd'hui, c'était l'occasion de dire merci publiquement. Parce que c'est ça aussi. Vous dites que vous voulez être panafricain. Il y a un voisin qui vous tend la main. Quand les gens parlent, ils ne savent pas. Combien de fois la Côte d'Ivoire a demandé à intervenir, à nous aider militairement, à faire des sorties conjointes. Combien de fois ils ont demandé? C'est vous qui avez refusé. Ne sortez pas dire que les gens ne vous aident pas. Moi, c'est ça qui me tourne la tête quand je vois les inconscients à la place de la nation faire des directs pour dire la Côte d'Ivoire, pourquoi ils ne viennent pas nous aider? Pourquoi ils ne viennent pas vous aider? Vous connaissez quoi? Combien de fois le ministre des armées de la Côte d'Ivoire a demandé plusieurs fois à nous aider à intervenir militairement et nous avons refusé? Donc quand les gens vous demandent, les gens viennent pour vous aider, vous refusez. Ne sortez pas dire qu'on ne vous aide pas. C'est pas sain. Et le projet même est en cours, projet de construction de bâtiments pour nos gens. Ils les ont déjà reçus. Vous sortez, au lieu de reconnaître ces faits concrets, on est en train de parler de sankarisme, de panafricanisme. Vous-même, quand on va répartir ces Sankara, on va vous noyer. Vous ne serez jamais des sankaristes. Maître de Tambela ne connaît même pas Sankara. Sankara là-même, il ne le connaît même pas. Il ne le connaît pas aujourd'hui, il ne le connaîtra même pas demain. Sankara là, vous avez dit que vous êtes allé, les gens vous ont refusé. Sankara, on lui avait aussi refusé certains trucs. Mais pourquoi les gens sont revenus? Les gens, quand on refuse quelque chose à Sankara, par la suite, vous revenez vers lui. Parce que quand Sankara vient vous demander quelque chose, c'est qu'il a une moitié. Il recherche l'autre moitié sur vous. Si vous refusez de le donner, il ne cherche pas une autre personne. Il revient te montrer qu'il peut faire autrement. Ce qu'il t'avait demandé, tu as refusé, il peut faire ça autrement. Sankara avait demandé du matériel aux gens pour construire les bâtiments. Vous voyez les logements qui étaient là. Mais Sankara a utilisé plutôt la terre cuite là, plus un peu du ciment, et il a bâti les maisons. Quand Sankara a fait ses maisons, vous ne voyez pas que ça tient toujours. Vous, quand on vous refuse quelque chose ici là, vous courez aller de l'autre côté. Sans oublier que là où on vous a refusé là, lui il domine là où vous êtes en train d'aller. Quand vous arrivez là-bas, vous trouvez que son maître là, c'est là où vous avez fait la bagarre. Donc il ne peut pas vous donner. Maître de Tambela, même moi-même, je ne sais pas. Je ne suis pas un intellectuel. Je n'ai pas fait de longues études. Mais souvent, eux-mêmes, je me demande même c'est quelle école ils ont fait. Il y a des gens qui dépendent de celui que vous avez fait la bagarre, avec qui vous ne vous entendez pas. Donc, quand vous allez ici, le maître lui dit, lui, il ne peut pas. C'est vous qui ne connaissez pas ce qui se passe entre eux. Donc, quand vous allez là-bas, lui vous dit, c'est mon maître qui est là-bas, là. Moi, je ne peux pas vous donner. Il faut d'abord vous entendre avec lui. Voici le problème. Vous pensez que le monde fonctionne au hasard. Lui, là, s'il ne fait pas ça, je cours aller. C'est pas vrai. Si tu quittes ici, là, ça dépend de comment on quitte les gens. Moi, j'avais parlé de ça au début. J'ai dit, on peut dire non aux gens et pouvoir traiter avec les autres. Mais la manière qu'on quitte les gens ne vous ouvre pas d'autres portes. Quand vous brûlez l'ambassade de quelqu'un, automatiquement, vous ne pouvez pas aller ailleurs et puis être crédible. Voici le problème. Même si la personne a tort, il y a des règles dans le monde qu'on ne peut pas franchir. Vous brûlez l'ambassade de quelqu'un. Pourtant, c'est des points qui sont intouchables. Si vous brûlez l'ambassade, ça pose problème. Si vous brûlez les drapeaux des gens, ça pose problème. Quel qu'en soit là où vous allez aller, vous allez avoir des problèmes.
Les gens ne vont pas vous n'êtes plus crédible. Voici le procès, vous ne pouvez pas protéger l'ambassade de quelqu'un sur vous. Ça crée d'autres, c'est-à-dire que c'est banal, c'est insignifiant, mais ça porte beaucoup. Les gens ne vous font plus confiance. Non. Voici où on tourne en rond. Et vous le voyez faire des déclarations, mettre des tambellas pour dire la paix a changé de camp. Vous êtes, il y a la route nationale numéro 3 même, qui est sous blocus. Les gens qui sont en train de fuir dans cette semaine, la peur a changé de quel camp. Des gens sont repartis, vous parlez de 125 000. Dites aux gens aussi, combien de personnes ont fui les localités. Parce que toute cette semaine-là, allez à Bobo. Regardez comment les gens dorment à la belle étoile, à Bobo. Allez-y, regardez. Allez dans les périphéries, regardez comment les gens fuient aujourd'hui. Les 125 000 même que vous, dont vous parlez, qui peut vérifier ça? C'est pas vrai. Les 125 000, c'est faux, maître de Tamela. C'est deux fois faux. C'est pas vrai. Personne n'est reparti. Personne n'est reparti. Les gens ont quitté les camps parce qu'il y a des camps aussi où ils ne sont pas bien traités. Ils préfèrent quitter. Quand ils quittent les camps là, ça ne veut pas dire qu'ils sont repartis, c'est eux. D'autres même sont allés en Côte d'Ivoire. D'autres sont allés au Ghana. D'autres ont rejoint leur famille d'accueil. Ils ne sont pas repartis dans leur village. Qui vous a dit? Faut aller là-bas, là où ils sont repartis là. Fais-nous un film là-bas. Dites à Maître de Tambela, s'il dit les gens sont repartis, ça veut dire qu'il connaît les villages où ils sont repartis. Il n'a qu'à aller là-bas. Nous faire une vidéo pour nous montrer que les gens sont repartis. C'est pas la peine. Je dirais c'est du cinéma. On sacrifie les pauvres populations pour rien. Hein? Aujourd'hui, à l'instant T, on peut sortir vouloir faire un discours comme Sankara. Le discours même où les gens n'applaudissent. Regardez son discours. Quand il y a le mépris, les gens n'applaudissent pas. Quand on veut paraître ce qu'on n'est pas, les gens n'applaudissent pas. Les gens voient que c'est du cinéma. Souvent même, vous voyez les députés qui sont assis. Ils ne veulent pas parler parce que il y a la pression sur tout le monde. On met les gens en prison. On réduit d'autres au silence. Bon, vous êtes obligé de vous asseoir et regarder. Sinon, aujourd'hui, là, le discours de maître de Tambela d'aujourd'hui ne devait pas passer à l'hémicycle. C'est une insulte à nos pauvres populations qui souffrent. Des gens qui courent chaque jour que Dieu fait. Hier, on enterre, avant-hier, on enterre. Tu sors dire que la paix a changé de camp. Elle a changé quel camp? Elle a changé quel camp? Si elle a changé de camp, va faire le ravitaillement à Sirmangui. Prenez maître de Tambela. Il n'a qu'à être conducteur d'un camion. Vous allez aller ravitailler Sirmangui. Puisque la paix a changé de camp. Allez-y. C'est ça qui fait qu'on ne s'en sort pas. Puisque les gens ne sont pas conscients de la menace. Ils pensent que c'est d'autres qui sont contre eux. On rejette la faute sur les autres et on ne fait plus d'efforts. Quand on s'arrête, non. Ce sont les gens qui nous détestent. Ce sont des ennemis. Et même, ils appellent des Burkinabés même des ennemis. Parce qu'ils ont un autre langage. Vous étiez sur les plateaux. Vous avez critiqué Rokabore. Vous avez critiqué Blaise Compaoré. On ne vous a jamais traité d'ennemi du pays. Parce que c'était votre point de vue. Aujourd'hui, on veut vous dire la même chose. Oui, celui qui parle, il n'aime pas le pays. C'est un ennemi. Oh, c'est un ennemi. C'est un ennemi du pays. Ils ont d'autres intérêts. Mais quand vous étiez sur les plateaux, qu'est-ce que vous avez fait? C'est souvent ça qui fait que je parle des Bassolma Bazier. Vous êtes assis là-bas. Ils sont en train de torpiller, de menacer, de mettre en prison des citoyens qui ont donné leur point de vue. Vous regardez pourtant. C'est suite à votre bavardage là. Vos bavardages à la télé qu'on vous a recruté. Si ce n'était pas à cause de la télé, maître de Tambela, toi tu dépasses quel magistrat pour qu'on vienne t'appeler? Qu'est-ce que tu as fait? Ton parcours, si ce n'est pas sur le plateau, ton parcours, qu'est-ce que tu as fait de meilleur que les autres pour qu'on vienne te prendre premier ministre? Bassolma Bazier, qu'est-ce que tu as fait de meilleur que les autres Burkinabés pour qu'on t'appelle à être ministre? C'est vos bavardages à la télé. Moi j'appelle ça du bavardage. Parce que si vous êtes resté à la télé, vous avez lutté ici. Et qu'aujourd'hui, vous êtes au cœur de la chose. Vous n'êtes pas à mesure de dire à Ibrahim Traoré, c'est par là. Nous, on vient d'ici. On ne peut pas accepter que ce que nous avons défendu, aujourd'hui, ça se passe sous nos yeux. Voici la sincérité des choses.
Vous avez combattu Roch Kabore ici pour des faits qui se passent sous vos yeux aujourd'hui. Est-ce que si c'était en ton temps qu'on a arrêté les Lookman, on a arrêté des journalistes et des OSC, vous allez vous asseoir regarder? Moi, je pense que vous allez sortir dans les rues pour réclamer leur libération. Aujourd'hui, vous êtes assis là-bas. Vous regardez ces mêmes choses-là, vous ne dites rien. Ça veut dire que vous n'êtes pas dit de confiance. Et tout ça, je vais m'arrêter là en disant aux gens. Mais ce que le Burkina Faso traverse aujourd'hui, ça va nous permettre de reconnaître les gens. Parce qu'il y a des gens qui s'étaient passés pour des loups, qui s'étaient fait passer pour des agneaux. On ne les connaissait pas. Aujourd'hui, la situation du Burkina va dévoiler le vrai visage de tous les Burkinabés. Quand quelqu'un d'autre va arriver, quand une personne sincère, un vrai Burkinabé va arriver à la tête de l'État, on a connu les traîtres qui étaient dans le noir, qu'on croyait que c'était des saints. Puisque aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui sont au gouvernement et qui se taisent, regardez Ibrahim Traoré marcher sur les journalistes, marcher sur les OSC, marcher sur tous ceux qui veulent donner leur point de vue, ça montre qu'ils n'ont jamais été ce qu'ils avaient dit auparavant. Bassolma Bazier n'a jamais été le super syndicaliste dont on croyait. Maître de Tambela n'a jamais été l'expert dont on croyait sur les plateaux. Siaka Koulibaly n'a jamais été celui qu'on croyait. Donc aujourd'hui, Dieu est en train de nous montrer les gens. Et pour terminer, souvent je me dis même, est-ce la peine de parler? Mais quand vous voyez que si vous ne parlez pas, qui viendra parler? Personne. Souvent les gens se taisent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas quelque chose à dire, mais ils se disent, on va le laisser et il verra la réalité en face. Mais quand vous pensez que ceux qui souffrent aujourd'hui, ce sont nos pauvres populations, ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe. C'est pourquoi il faut parler. Il faut parler parce que ceux qui vont voir là, ce ne sont pas ceux de Ouaga, ce ne sont pas ceux de Bobo. C'est plutôt ceux qui sont loin de la ville. Ceux qui n'ont rien à voir avec les bêtises qui se passent en ville. C'est pourquoi il faut parler. Sinon, si vous voyez des gens qui quittent Ouaga avec des pancartes, aller dans les villages pour embobiner les gens, organiser des marches, c'est triste. Donc, il faut parler. Parce que si vous ne parlez pas, les inconscients vont nuire à la vie de notre nation. Donc, il faut parler. Je vais m'arrêter là et vous dire merci. Il y a des gens qui viennent nous insulter. Moi, j'ai toujours dit aux gens, il ne faut pas vous préoccuper de ceux qui viennent nous insulter. Moi, je suis au-dessus de ces petites querelles-là. Allez-y sur TikTok ou c'est quoi là. Ils sont là-bas, ils prennent ma photo, mes vidéos, ils mettent derrière, ils insultent. Moi, je n'ai pas le temps de ces inconscients. Moi, je parle à des gens qui peuvent faire des débats d'idées. C'est-à-dire que quelqu'un a dit quelque chose, voici ce qu'il a dit qui n'est pas vrai. Par exemple, hier, j'ai vu des gens qui ont pris des vidéos de 2022 sous le président d'Amiba où il y a eu où les soldats ont fait une grande victoire. Ils ont pris ces vidéos pour revenir mettre hier pour dire voici le travail du capitaine Ibrahim Traoré. Des vidéos qui datent ou même ce qui est énervant et ce qui est touchant pour dire jusqu'à quel point il y a des Burkinabés qui ne prennent même pas le temps de lire les vidéos avant d'apprécier. Mais quelqu'un qui met une vidéo, la vidéo même est commentée par un journaliste qui vous dit que la victoire héroïque de Bourzanga, qui vous montre des motos, des victoires, après même qui intervient Yves Didier Bamouni, lui-même qu'on n'a même plus vu dans nos télés depuis l'arrivée du MPC 2. Mais allez regarder, ça fait plus de 500 000 vues. Aujourd'hui, c'est plus de 900 000. Où les gens attribuent ces victoires à Ibrahim Traoré. Ils apprécient. Pourtant, c'est une vidéo de 2022. Vous voyez comment c'est passé? D'autres vidéos où on voit une benne remplie de sable et ce sont des barriques qui sont à l'intérieur. On a mis des barriques dedans et refermées par du sable. Et les gens disent, voici pourquoi le terrorisme ne peut pas prendre fin. Parce qu'il y a des ennemis qui mettent de l'essence dans les citernes et les choses, dans les bennes à sable là, et referment. Quand vous regardez la vidéo,
Vous écoutez? Les paroles là sont en Lingala, c'est au Congo. Et plus loin, les images, quand vous regardez les maisons, ce sont les maisons en pente là, deux pentes. Et ça ne ressemble même pas aux maisons du Burkina. Mais allez-y, regardez comment les Burkinabés ont partagé ça. Et tu vois, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Ça montre jusqu'à quel point on est inconscient. Et qu'aujourd'hui même, si quelqu'un reste à l'étranger ou à quelque part, il écrit quelque chose, il balance. Nous, on peut se tuer au Burkina pour cette information qui n'est pas vraie. Comment quelqu'un qui peut lire, qui peut écrire Dieu merci, n'est pas à mesure d'analyser l'image? Toi, tu as écrit Dieu merci. Ça veut dire que tu connais écrire. Ça veut dire que tu connais lire. Mais pourquoi tu ne lis pas ce qui est écrit sur la vidéo? Pourquoi tu n'écoutes pas les paroles? Pourquoi tu n'observes pas, tu ne regardes pas? Les images, c'est où? Quand on voit une vidéo, s'il y a une voix, on écoute le message, on regarde les images et on se dit c'est où? C'est ça aussi, être, ne pas être mouton. Mais quand on est inconscient, ça veut dire que ce n'est plus le pays qu'on aime. On veut tout faire pour qu'on dise que Ibrahim Traoré est bien. Même si ce qu'on utilise n'est pas vrai. C'est ce que les gens nous font savoir. C'est pourquoi les injures des inconscients ne nous font rien. C'est pourquoi ceux qui croient que Dieu est leur parent, matin, midi, soir, que Dieu fasse ça, nous on n'écoute pas ça. Parce qu'on sait que c'est un inconscient. On sait que c'est un idiot. Parce que s'il était conscient, il allait analyser le message que nous partageons, nous véhiculons, avant de venir nous insulter. Plus tard, quand quelqu'un vous insulte, ne le prenez plus au sérieux. Voici les choses simples. Moi, je ne considère pas ceux qui m'insultent. Si tu discutes avec moi, tu m'amènes, c'est-à-dire tu envoies des preuves qui montrent que je mens, je peux t'écouter. Parce que là, c'est un débat. On peut en parler. Mais quand tu viens, tu mets ma photo, soit tu commences à insulter mes parents, tu commences à m'insulter moi-même. Moi, je ne te calcule plus. C'est pourquoi je ne réponds pas aux insultes. Moi, je n'ai jamais fait vidéo pour répondre à ceux qui m'insultent. Parce que moi, je n'ai pas la grande gueule pour insulter. J'ai une bonne éducation. L'éducation aussi, c'est ça. Chez nous, quand, chez nous, on n'insulte pas des gens vulgairement. Non, on peut donner notre point de vue. Ça peut ne pas être compris. Mais, moi, je n'insulte pas quelqu'un. Vous voyez, ils font les vidéos tous les jours. Collage, TikTok, quoi. D'autres pensent que je ne vois pas. Souvent, même moi-même, je viens écouter, je ris. Il y a des proches, souvent, j'échange avec eux. Je leur donne même les vidéos sur lesquelles, là où on m'a insulté. Moi, c'est un jeu. Parce que je sais que le problème du Burkina dépasse ces bêtises que les gens font. Il y a des gens, quand vous l'appelez, vous lui donnez 10 000. Ça suffit pour insulter quelqu'un. Il y a des gens, quand vous l'appelez, vous mettez des mégas. Il se met devant sa caméra. Il gesticule comme ça, avec les drapeaux un peu partout. Hé, à Sankara Kwamba. Nous, on est loin de ça. Nous, on se mesure pas aux petits activistes qui sont là, des inconscients qui insultent les gens. Nous, on a commencé nos vidéos depuis bien longtemps. Il y a des gens, ils ont commencé tout de suite. C'est à l'arrivée d'Ibrahim Traoré qu'ils ont commencé à faire des vidéos. Nous, on fait des analyses. Si ça va aujourd'hui, comment on va tenir tête à dire des choses, pourtant le gars travaille. Mais quand vous êtes assis, les gens se déplacent. À Ouagadougou même, vous voyez les gens au bord de la voie qui vous demandent de l'argent. Des gens qui sont poussés à la belle étoile. Allez à Bobo, un peu partout. Ça ne va pas. Et il y a des gens, au lieu d'interpeller l'État, ils sortent nous insulter parce qu'on dit ce qu'ils savent déjà. Ce que nous on dit là, vous constatez. Moi, je ne dis pas des choses au hasard. À chaque fois que je dis quelque chose, mais si vous voulez, allez-y regarder. Allez regarder. C'est des choses qu'on dit, il ne faut pas qu'on se laisse embobiner. Parce que tout régime qui arrive à des points faibles qu'il faut les rappeler pour qu'ils puissent corriger. Vous arrivez, vous prenez vous prenez tout simplement le pays, vous dites que vous pouvez faire mieux. 3 mois vous donnez aux gens, 3 mois arrive, le désastre est là. 4 mois le désastre est là. On vous appelle à la télé, vous dites que la guerre n'a pas encore commencé. Pourtant vous avez donné 3 mois aux gens. 5 mois après, vous dites que vous êtes à l'introduction. Les morts, c'est chaque jour. Les villages se déplacent tous les jours.
vous voulez que les gens s'asseyent et regardent? Qui a appelé Ibrahim Traoré? Personne n'a appelé Ibrahim Traoré. Il est venu de lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui doit nous convaincre. C'est pas nous, on doit suivre comme des moutons. C'est lui qui doit nous convaincre dans les actes, pas dans les paroles. Quand vous regardez le mec de Tambela qui était en train de chanter à l'hémicycle là, est-ce qu'il est sincère avec lui-même? Est-ce que s'il a une famille, il arrive à la maison, sa femme et ses enfants vont lui dire bonsoir pour ce qu'il a raconté, les bêtises qu'il a racontées à l'hémicycle là? Si maître de Tambela arrive chez lui, sa famille ne va pas le saluer. Maître de Tambela qui dit que la paix a changé de cas. Pourtant, on vient d'une prière nationale. La paix a changé de cas et puis on va prier. On va prier, c'est pourquoi? C'est pas parce qu'on a peur. Quand on se confie à Dieu, c'est pourquoi? C'est parce que c'est-à-dire que le drame est supérieur à notre analyse, c'est-à-dire à notre niveau de vie. Et c'est ça, on confie à Dieu. Quand on confie à Dieu, c'est que ça dépasse la compréhension de l'humain. Et on donne ça à Dieu. Donc, c'est pour vous dire, arrêtez d'aller mentir aux gens pour sacrifier les pauvres populations. Parce que quand on dit on ne négocie pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit travailler pour qu'on ne négocie pas. Et c'est qui? Ce sont les pauvres populations qui meurent. Pourquoi vous restez là pour dire que vous ne négociez pas? C'est de ça qu'il est question. Donc je vais m'arrêter là et dire aux gens, il ne faut pas vous préoccuper des injures. Et moi j'ai dit, si pour être sincère, si vous arrivez sur la part de quelqu'un, il raconte des bêtises, allez-y. Parce que moi, vous n'allez pas pouvoir me faire reculer à travers vos bêtises, vos injures. Jamais. Ça, c'est des futilités. Les injures, prendre ma photo, aller sur Facebook, TikTok, aller où? Si vous voulez, il faut monter au ciel. Avec ça, aller danser. Si je me lève et que je suis en vie, c'est que Ibrahim Traoré a fait qu'il n'est pas bien, je vais vous dire ça. Si des Burkinabés sont tombés, je vais vous dire ça. La seule chose qui peut arrêter ce que je fais, c'est l'amélioration de la situation. Demain, si tout va bien, on est sincère, mais on ne va pas parler. On ne va pas venir écouter des inconscients qui sont à la place de la nation, des idiots qui prennent de l'argent, tourner pour faire mobiliser les gens, pour sortir dire que ça va, pourtant ça ne va pas. Mais ce sont les terroristes, ces gens-là, ceux qui tournent actuellement, qui font des soutiens, comment ils appellent ça, des meetings de soutien. Mais ce sont les terroristes. Comment des gens ont fui leur localité, ils viennent se retrouver dans un chef de lieu de province. Vous allez les réunir. Malgré leur souffrance, vous ne regardez même pas la souffrance des enfants. Vous les réunissez pour dire que vous voulez demander de l'aide à Ouaga. Pourtant, c'est pour vous avez écrit des pancartes. Que vous sortez ces pancartes-là, vous transformez la requête des gens en soutien à Ibrahim Traoré. Est-ce que des gens comme ça, moi je peux avoir pitié de ces gens-là? Des idiots comme ça, moi j'ai quel temps avec eux? Des gens qui me suivent, moi j'ai quoi avoir avec ces gens-là? Moi je suis au-dessus de ça. Donc les injures, mettez ça là où vous voulez. Moi c'est pas mon problème. Mon problème c'est que mon pays se libère. Demain si le Burkina se libère, j'arrête. Moi je suis pas comme les activistes, les menteurs qui sont de l'autre côté. Chaque jour, Dieu merci. Comment ils disent ça? Dieu merci. Le pays, cette transition, c'est la meilleure. Elle est internationale. Cette transition, quoi. Et les gens vont dire Dieu merci, Dieu merci. Qu'est-ce qu'ils ont dit devant? Où ils se lèvent, ils disent oui, les terroristes ont lu l'heure dans le centre-ouest. Ça suffit pour que des Burkinabés conscients partent écrire Dieu merci, Dieu merci. Qu'est-ce qu'il a dit d'extraordinaire? Demandez-lui c'est où. Quelqu'un qui se lève qui dit oui, l'avion sans bruit a fait des exploits. Venez dans mon Instagram pour le détail. Et les gens disent ouais. Qu'est-ce qu'il a dit d'extraordinaire? Un négociant comme ça, moi je vais aller l'écouter. Si je vais là-bas, c'est pour lire. Je lis pour comprendre jusqu'où il est très idiot. Ce n'est pas pour aller mettre ça au sérieux. Mais vous voyez les gens qui gesticulent tous les jours. On vous dit que cette semaine, même si tu es dans le ventre de ta maman, tu sauras qu'il y a du travail. Il n'y a jamais eu du travail. Des gens ont utilisé les étoiles qui étaient apparues au ciel au Burkina. Les gens ont dit que c'est leurs soldats qui sont allés en l'air, en train de s'apprêter pour descendre marcher sur les djihadistes. Des gens ont dit ça. Et ils ont dit que dans la semaine, vous allez voir les exploits. Ça fait maintenant 3 mois.
Pourquoi vous ne leur demandez pas les étoiles qui étaient sur le ciel burkinabé là? Que vous avez dit que c'est vous qui êtes en l'air, en train de vous préparer pour descendre marcher sur les guerres. Où on en est-on avec ces gens, ces trucs-là? Mais les gens aussi, on les ment tous les jours. Mais le plus idiot, c'est celui qu'on ment plusieurs fois. Moi, si tu me mens une fois, demain, moi, je ne te prends plus au sérieux. Mais il y a des gens, on va les mentir 265 jours. Tous les jours, c'est eux qu'on ment. Ils jouent avec la conscience des gens. Il suffit tout de suite de se lever, mettre le drapeau du Burkina et puis mettre les cœurs de côté. C'est terminé. Les gens, oui, Dieu merci. La victoire n'est plus loin. La paix a changé de camp. Ils sont en train de lire l'heure. C'est vous qui lisez l'heure. Les guerriers ne lisent pas l'heure. Je vous ai dit, tout ce qu'on recrute ne lit pas l'heure. C'est vous qui lisez l'heure. Souvent même les gens viennent, ils ne viennent pas pour repartir. C'est vous qui lisez l'heure. Les funérailles que vous tournez saluer là, qui lit l'heure? Les veuves et les orphelins, qui lit l'heure? Vos parents qui fuient le village, qui lit l'heure? Les gens qui mangent les feuilles, c'est qui lit l'heure? Quand on vient vous mentir que les gadis lisent l'heure, qui lit l'heure là? Allez dans les familles où les gens ont perdu des soldats. Allez leur dire que les gadis lisent l'heure. Et vous allez repartir, on va voir. Faut aller leur dire. Allez leur dire, partez à Bobo, à la place de la nation. Regardez ceux qui sont assis là-bas, à la place de la squa là même là, au rond-point. Allez à Ouagadougou, dans les feux. Vous voyez les déplacés. Dites-leur que les djihadistes lisent l'heure. Faut leur dire ça. Des inconscients comme ça qui sont assis à quelque part, en train de vous flatter, que cette transition est la meilleure, et que voilà, il faut tout faire. Moi, je ne veux pas, c'est la transition qui doit me convaincre. C'est pas à moi de tout faire pour être avec eux. C'est eux qui doivent me montrer pourquoi ils sont là. Parce que c'est pas moi qui les ai appelés. C'est eux qui doivent me montrer par des actions concrètes, par le cinéma. Donc, je vais m'arrêter là. C'est pas facile, hein, quand il s'agit de parler. Souvent, je quitte mes trucs que j'ai préparés juste pour aller parler des choses qui sont faciles à comprendre, quoi. Parce que souvent, quand vous lisez des choses sur Internet, c'est énervant. Des gens qui prennent des vidéos de 2019, quel est le projet? Si Ibrahim Traoré travaille, est-ce que vous avez besoin d'aller prendre des vidéos de 2019 pour venir mettre aujourd'hui? Et c'est des gens qui sont suivis. C'est triste, quoi. Donc, merci et bonne journée à tous et à la prochaine. Et restons, voilà, sur nos gardes parce que on ne va pas se donner un spectacle pour quelqu'un qu'on n'a pas appelé à venir prendre, voilà, le pouvoir. Yeah.